Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon, moi ça va super. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc j'ai mis deux plus gros cadeaux pour mon anniversaire. Donc il y a ce petit cadeau là. Et ce gros colis, un Mastar. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing du petit cadeau. A tout de suite. Donc bah, pour commencer, on va passer avec le petit cadeau. Donc c'est parti. Je vous là, hop. Voilà. Ici. Oh, voilà. Et ici, donc attention. Oh là là. Oh là 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 là. Donc voilà, un petit casque, c'est un petit casque, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il me semble, là, je sais pas si on va bien voir au logo. C'est un Razer, donc voilà, il y a marqué au-dessus, un Razer. Et voilà, donc il est super, super, super beau. Donc, bah vas-y, on va l'ouvrir tout de suite, comme ça, hop, ça dégage. Donc... ici, vous pouvez voir que là, il y a un petit scotch que je vais retirer maintenant. Voilà, et ça nous permet d'enlever cette boîte. Donc là, encore, vous pouvez le voir, le petit signe du Razer. Voilà. Donc là, il y a la boîte. Hop, 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 hop. Et là, un petit carnet. Et dedans, il y a un petit livret. Voilà. Avec tout ce qu'il y a. Donc je vais le garder, hein. Encore là, ici, sigle Razer, là, mais il est noir, du coup, on voit pas bien. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Et là, donc, il suffit de faire comme ceci. Cela, voilà. On tire vers le haut. Et oui, on le tire comme ça. Et là, on sort la bête. Nickel. Donc ici on a toujours, oh pardon, le petit clavier là qui gêne. Je vais essayer de vous placer autrement pour pas que ça gêne trop. Attendez voir si je vous place comme ça, c'est pas mal. Voilà, nickel. Donc voilà la petite boîte. Donc là il y avait je l'ai ouvert avant pour voir si il y avait bien tout dedans. Donc voilà, il y avait des petits trucs comme ça. Le câble. Donc il marche avec trois prises de jack. Une pour les oreillettes, je pense. Une autre pour le micro. Et la troisième, aucune idée. Aucune idée. Donc là, vous pouvez voir aussi sur le dessus un Razer. Donc il faut passer. Donc il faut le sortir comme cela. Hop. Hop. Et là on tire le fil par dessous. Nickel. Hop. Voilà. Jusque là on est bien. Donc bah, je vais le mettre sur mes oreilles pour voir vite ce que ça fait. Ah oui. Ah ouais, là j'entends presque plus. Il est insonorisé tout. C'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Donc, attendez. J'ai allumé le PC, c'est bon. Donc, si vous entendez un bruit d'arrière-fond, c'est le PC. Donc, ben, voilà. Et attention, il y a un petit truc qui est là, je crois, voilà. C'est... tada! Le petit micro. Voilà. Donc, on peut jouer avec les potes, comme ça. Donc, voilà. Il est plutôt pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Je vais essayer de le brancher, voir ce que ça fait. Ok, donc le micro est rétractable, hein. On peut le bouger dans tous les sens, hop, hop, hop. Et là, si je veux jouer sans, hop, je peux le ranger. Donc voilà, encore le petit signe sur les oreillettes. Voilà, voilà. Le câble, on va l'ouvrir. Ça.
Hop, donc le câble, on l'ouvre. Voilà, je vais essayer de le brancher. Ah oui, d'accord. Chaud, chaud, chaud. Donc là, il marche comme ça. Je pense qu'il faut bien faire comme cela. Hop, c'est bon. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, excusez-moi, là, je ne vais plus être sur l'écran pendant quelques secondes. Juste histoire de le brancher. Donc, hop, je passe, je le branche et je vous retrouve tout de suite. Donc je vais voir, je vais faire des essais hein. Donc attention, le petit code. C'est bon, ça a marché. Voilà. Hop. J'espère que ça va bien marcher. Je vais aller sur un jeu, voir mettre le son pour voir. Ah ouais, là, il est super. Il est super, les amis. Je vous le recommande. J'ai été l'acheter à Darty. Voilà, il était en solde. Enfin, j'ai été l'acheter. Les gens de ma famille ont été l'acheter. Là, il y a une petite molette pour le son. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a du rouge. Et là, rien. Annuler, jouer. On le... Ah là 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 là, je suis convaincue de ce produit ici. Avec le petit micro rétractable, tout, j'aime bien. Donc, je sais pas si vous avez vu la couleur du micro. C'est vert, voilà. Avec le bout du micro qui est là, comme ça. Et là, si on veut le ranger, il suffit de... le mettre droit déjà, de pousser comme cela et là de continuer justement à pousser pour que le micro rentre tout simplement. Donc alors, oh excusez-moi, je vous ai fait tomber. Oui, le jeu est long à se lancer parce que c'est pas un PC moderne hein. C'est juste pour débuter. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout à vous abonner. Si vous voulez plus de vidéos unboxing comme celle-là. Avec toujours le gros colis qui n'a pas bougé. Voilà. Par contre c'est un petit peu long. Hein. Vous avez peut-être qu'il se mette en marche. Parce que moi... je veux pas rester comme ça 3 ans. Hein. Déjà 8 minutes de vidéo là. Ah, il faut relancer. Est-ce que ça va marcher? Je n'accepte pas. Oh. Et c'est bon, c'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Wouh! Hop, je vois. Hop, hop, on va lancer un petit circuit comme ça. Donc c'est un jeu de voiture. Hein. Je vais lancer le petit circuit, voir si ça marche bien. Il faut pas le mettre, vous n'êtes pas obligé, il faut pas le mettre comme ça par exemple. Mais il faut pas le mettre non plus comme ça là. Il faut le mettre surtout, hop, là c'est pas mal. Un bon petit écart. Pardon, je vais pas. Hop, on va jouer à la manette. Hein. Qui est ici présente. Et non, j'entends pas du tout. Ok, ok, ok. Donc, bah, je vais changer. Voir si ça marche. Donc, je change.
Là, j'entends le jeu. Est-ce que je peux parler dans le micro? Non, pas pour le moment, c'est normal. Mais j'entends bien le jeu. Vas-y, petite game. Vous avez vu, je regarde même en même temps de jouer. Tellement que le niveau est simple. Et c'est bon, c'est terminé. Hop là, c'est gagné. Donc, je vais pouvoir le quitter ce jeu-là. On remet tout ça là. La caméra ici présente et on quitte ce jeu là. Donc pour ce qui est du casque, c'est terminé. On va passer tout de suite à la chaise. Donc bah, je vous ai retrouvé par terre. Donc, on va commencer par ouvrir ce magique colis. Donc, bah, je vais commencer par le mettre par terre. Hop! Pour pas que vous puissiez trop voir ce qui se passe. Donc, il y a pour commencer cette pièce-là qui est. Donc, oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est une chaise gamer. Hein. Je pense que vous l'avez vu aussi au début. Donc voilà, c'est un petit accoudoir. Voilà, hop, il est bien comme ça. C'est du cuir, c'est bien rembourré, c'est mou. Ça me fait plaisir. Donc on commence super bien. Et attention. Pour tous les vrais, vous connaissez, hein, le papier bulle. Ensuite, le deuxième, du coup, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un accoudoir. C'est la même chose, toujours avec du papier bulle que je vais jeter là-bas. Et là, attention, attention, on va commencer dans le gros du gros. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est. Déjà, c'est gros. Donc, ça, tout ça. On lance là-bas. Hein. Hop. Et. Hop. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que plus tard je fasse une room tour. Donc voilà. Donc là, c'est là où on s'assoit. C'est en cuir. C'est très bien. Le dessous, il y a toutes les références, tout ça. Donc là. C'est mou, c'est en cuir aussi, donc pour l'instant je suis conquis. Donc là, une petite roulette. Voilà, c'est un siège à roulette. Donc voilà, donc attendez. Donc là, il y a le. Voilà, hop, j'ai passé assez vite parce que c'est le dernier truc que je vais vous montrer hein, parce que c'est plus gros. Donc ça c'est, il va falloir ouvrir le paquet. Donc le packaging. Donc voilà, donc ça c'est le truc qui va en dessous où on peut monter, descendre le siège, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple sur un siège, pas que sur un siège gamer. Hein. Une autre roulette, voilà. Parce que c'est pas une, un siège uni roulettiste. Bon, je sais pas si... Donc là, voilà. Et là, normalement il y a l'autre. Voilà, donc là j'ai deux autres, donc il y en a quatre. Et je crois que j'en ai vu une autre. Ça me paraît bizarre.
Il y en a une autre, si jamais on en casse une. C'est pas mal du tout ça. C'est très très bien, donc merci à ceux qui m'ont envoyé. Donc là, à mon avis, ça doit être pour mon, pour le monter. Je vais ouvrir ça tout de suite. Ah, il faut un couteau. Je vais en chercher. C'est bon. Je garde toujours un couteau dans la chambre pour les pack opening. Enfin, les, plutôt les unboxing, hein, en l'occurrence. Hop, on est nickel. Hop. Même pas, c'est pas un truc pour monter, j'ai l'impression. Ah oui, c'est le truc qui permet de... où il y a de la graisse, là, qui permet de fixer aux roulettes avec ça par-dessus. Donc, à mon avis, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs, je pense. C'est bon. Ah, il y en a encore un. Voilà, donc il y en a deux. Hop. Donc, ça, je vais le garder dans son emballage. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Hip. Hop. C'est nickel ouf. C'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du carton. On s'en fiche. Donc là, c'est toutes les vis, les clés, tout ça pour les monter. Donc voilà. Là. Ah, une petite touche de gris. C'est là où nous plaçons les roulettes. Voilà. Donc voilà. Ça va aller. Ici, nickel. Donc le paquet, on en a plusieurs pour le moment. Et là, qu'est-ce qu'un siège sans dossier? Hop, nickel. Oh là là. Donc, encore du cuir, encore et encore et encore du cuir. Voilà, avec les petits trucs où on met les vis. Le petit trou ici, comme les gamers. Voilà, je vous montre mieux avec du plastique autour. Et toujours en cuir noir. Comme vous pouvez voir, regardez. Juste en appuyant, mon doigt s'enfonce. Ça va être d'un confort. Je vous raconte même pas. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous montrer ça une fois qu'il sera monté. Donc on se retrouve une fois que je l'ai monté. A tout de suite. Donc juste, excusez-moi, avant de le monter, il n'y a pas une roue de rechange en fait. Il y a un bras, 2, 3, 4 et 5. Du coup, il y avait 5 roues. Je m'étais trompée. Donc voilà, c'était juste pour la précision. Donc à tout de suite. Donc voilà, la chaise, elle est montée. Elle est noire. Voilà. Avec les accoudoirs, tout, les petites roulettes, hop hop hop, voilà le tour, on fait le tour, on fait le tour, voilà le petit trou ici, bien sympa, je vais l'arranger avec vous, là où il y a mon setup, hop hop hop, nickel, donc là il y a la petite tablette, hein. Le petit drone, la petite manette, le petit clavier, le petit... écran, le petit casque raser, la petite souris, des petites tapis de souris à 2 balles. Et la petite tour, voilà. Donc, on se retrouve pour faire la fin de la vidéo. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une room tour. Donc, c'est là où je présente toute ma chambre. Et avec y compris mon setup, parce qu'il n'est pas encore fini. Donc, dites-moi ça en commentaire, et puis n'hésitez pas à liker, hein, à partager, à vous abonner. Bye bye!